je dis le premier élément de ce plan est absent, la retraite du chef de l'État. Ça, c'est un point pour débriver le pas niveau de notre armée. Pourquoi ne pas lever l'immunité parlementaire pour Sandiawa? Pourquoi ne pas lever l'immunité parlementaire pour Sandiawa? Pourquoi pas, monsieur le président? Yaya, pourquoi pas? Yaya, s'il vous plaît. Sandiawa, vous avez 5 minutes. Merci, monsieur le président, de m'appeler pour une autre question. L'amabilité de répondre quand j'aurai terminé. Vous verrez ça dehors. Monsieur le Président, pardon, s'il vous plaît, de l'ordre de ce côté-là. Merci, de l'ordre de l'autre côté. Vous allez me lever dehors. Monsieur le Président, donc, passez ce premier élément indiqué, le deuxième, c'est la justice. S'il vous plaît, l'absence d'une justice opérationnelle. C'est votre maître, vous taisez là-bas. Dans un, monsieur le Président, en l'absence d'une justice opérationnelle, une justice qui prend des vaches et qui les met dans une cellule civile et qui les laisse libérer, un tel pays vraiment ne peut pas se projeter. C'est le présent qui le préoccupe. Se projeter nécessite des variables sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller de l'avant. Quand on voit toutes les incantations contenues dans ce document, c'est les rêves de tous les Guinéens depuis 1958. Nos rêves. Mais notre présent est un cauchemar. Au lieu de rêver, il faut dormir. Nous sommes incapables de dormir dans l'insécurité, dans l'absence de la justice, dans... Vous avez épuisé les 5 minutes. Merci, monsieur le Président, et je fais en sorte que... Il y a seulement le temps qui vous est parti. Je ne peux pas rationnellement agir s'il y a des perturbateurs. Nous sommes là, j'ai mal éduqué. Tu te jures. Proposition. C'est dommage, c'est indécent, quoi. Je l'ai dit, mais on va
choses. Si c'est vrai qu'ils portent des pantalons, ils n'ont pas de pantalons. Premièrement, on va voir qui est là-bas. Il faut reconnaître. Monsieur le Président de l'Assemblée, nous souhaiterions vous dire qu'à l'occasion des débats, quand un député se déporte des débats, vous l'interrompez. Si vous voulez vous le ramener au cas, il y a un débat, un député, un chic. S'il vous plaît, allez-y, mais c'est ça la police. Bien. Vous devez, donc, vous devez convenablement exercer la police. Je voudrais aborder mes questions par rapport au PNDS. Avec votre permission, Monsieur le Président. Allez-y. Honorable député, donc j'ai eu l'opportunité.